Dr. Pierre Maurice, vous êtes chef d'unité scientifique en sécurité et prévention de la violence et des traumatismes à l'Institut national de la santé publique. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aimerais aborder avec vous d'abord quelles conditions considérez-vous importantes pour décider de faire avancer une politique publique? Bon, alors c'est sûr qu'il y a plusieurs éléments dans la réponse. Là. Il y a plusieurs types de conditions. La première des conditions, c'est exactement la mesure de santé publique, là, à quel problème de santé elle s'adresse. Alors, ça, c'est le premier type de considération qu'on va avoir. Après ça, on va s'intéresser à la politique même ou la mesure que la politique veut mettre en place. Ça, c'est le deuxième type de considération qu'on va avoir. Puis, la troisième type de considération, c'est l'ensemble du contexte sociopolitique qui entoure l'adoption de la politique ou la mesure qu'on préconise. Alors, si on commence par celle du problème de santé publique, qui est important comme considération? Alors, le problème de santé publique, c'est sûr que assez basique, là. C'est finalement, est-ce que le problème qu'on veut éviter ou qu'on veut corriger, est-ce que c'est un problème qui est important? Est-ce qu'il y a des conséquences qui sont graves? Est-ce qu'il est important en termes de répercussions sur la société, sur l'entourage, sur les familles, etc.? Alors, si on prend l'exemple du casque de vélo, bien, au Québec, on peut attribuer au non-port du casque, ou en tout cas au vélo, là, des blessures à la tête. Là. Des gens qui décèdent pour des blessures à la tête au Québec, il y en a à peu près 15 par année. Il y a à peu près 250-260 hospitalisations qui sont associées à des blessures à la tête. Ça ne veut pas dire que c'est la seule cause du décès, mais il y a une contribution des blessures à la tête. Puis la plupart du temps, c'est la cause principale du décès quand il y a une blessure à la tête. Alors, c'est quand même un problème qui est significatif. D'autant plus, comme on va probablement avoir l'occasion d'en parler plus tard, il y a des mesures qui sont efficaces pour prévenir ce genre de problème-là. Alors, justement, le deuxième élément important dans la mise en place d'une politique, c'est quelles sont les mesures. Alors, comment on détermine la pertinence d'une mesure de santé publique? Bon, alors là, il y a pas mal de choses qu'il faut regarder là-dedans. Il y a plusieurs facteurs. La première chose qu'il faut regarder, c'est l'efficacité de la mesure. Alors, quand on regarde le port du casque comme tel, c'est-à-dire juste le fait de se protéger la tête quand on fait du vélo, la littérature scientifique est assez claire là-dessus, c'est efficace. Il y a eu de nombreuses études qui ont démontré qu'on diminuait le risque de blessure à la tête de 2 ou 3 selon les études, etc. Donc, il y a une efficacité là, qui est difficile à contester par rapport à ça. Là où c'est moins sûr, c'est l'efficacité de la loi pour diminuer le taux de prévalence, le taux d'incidence des blessures à la tête au niveau de la population en général. Là, il y a plus d'incertitudes par rapport à ça. Donc ça, c'est la première chose. Est-ce que la mesure est efficace ou pas? La deuxième, c'est est-ce qu'elle est facile à appliquer? Ou est-il possible même de l'appliquer? Parce que je prends l'exemple du téléphone cellulaire, par exemple. On sait qu'utiliser un téléphone cellulaire main libre, c'est aussi dangereux que tenir un combiné dans les mains. Bon. Or, logiquement, si on a interdit le combiné, on aurait dû interdire aussi le main libre. Mm-hmm. Sauf que interdire l'utilisation de téléphone cellulaire main libre, c'est quasiment inapplicable. Alors, les forces policières vont certainement, dans un cas comme celui-là, se poser les questions, comment on peut faire pour administrer une mesure comme ça. Donc, l'applicabilité de la mesure est importante. Si on revient au casque, bien là, c'est sûr que le casque, c'est quelque chose qui est très visible. C'est facile de savoir si oui ou non la personne, elle porte un casque ou pas. C'est pas comme un téléphone mêlé parce que la personne est en train de chanter, parler tout seul, etc. Alors, par contre, il y a toujours des policiers, en tout cas, ils ont toujours un petit peu de réticence à émettre des contraventions à des mineurs. Notamment quand ils sont en bas de 14 ans, parce que, selon le Code civil, ils ne peuvent pas remettre des contraventions à des gens de moins de 14 ans. Donc, c'est pas impossible, mais ça pose un certain problème d'applicabilité par rapport à ça. Je dirais aussi qu'il y a un troisième niveau, on est toujours dans les considérations par rapport à la mesure comme telle. Il y a le niveau de contrainte que cette mesure-là va imposer aux individus.
dans le cas du casque, bien, le fait d'avoir à l'acheter, déjà, c'est déjà une dépense. Après ça, d'avoir à le porter, de le transporter. Puis là, il y a tout l'avènement du bixi là-dedans, etc. Comment on fait quand on veut emprunter une bicyclette, etc. Donc ça, la contrainte individuelle est certainement un élément à considérer dans ça. Après ça, il y a la contrainte, je dirais, collective. Comment ça se traduit pour la collectivité? Puis dans le cas d'une réglementation comme celle qui obligerait le casque à vélo, bien les gens vont faire référence beaucoup à la contrainte que ça peut imposer aux forces policières. Hein? Tu sais, il faut la faire appliquer, la loi. Le système judiciaire aussi, il y a toujours des répercussions sur le système judiciaire. Puis d'autres vont même ajouter la contrainte, le coût d'opportunité que ça représente. Quand on fait ça, ben on met nos énergies là, puis on met peut-être moins d'énergie à d'autres choses qui seraient peut-être plus importantes de faire. Donc ça, c'est l'autre niveau. Et puis ça, l'autre considération par rapport aux mesures, c'est ses effets potentiellement négatifs. Parce que les mesures ne sont pas toujours sont pas toujours dénuées d'effets secondaires ou d'effets indésirables. Puis, par exemple, une loi sur le casque obligatoire, le port du casque obligatoire de vélo, il y aurait certains effets négatifs. Bien, en fait, c'est justement ça. C'est un des gros débats qu'il y a, c'est que on essaye aujourd'hui d'encourager le plus le transport actif, et puis pour lutter contre des phénomènes comme l'obésité, des phénomènes de la sédentarité, etc., pour lutter contre des maladies chroniques. Or, là, la littérature scientifique qu'on a examinée de très près, c'est que les lois qui obligent le port du casque pourraient peut-être avoir un effet sur la diminution de la pratique du vélo, mais je dis « pourraient ». Les évidences ne sont pas vraiment si claires que ça parce que les études sont faibles, mais on ne peut pas éliminer hors de tout doute que ça puisse arriver. Et puis, on sait que pour une petite diminution de l'activité physique, il peut avoir des conséquences énormes à moyen et long terme sur l'avènement des maladies cardiovasculaires, diabète, obésité, etc. Puis l'autre, je dirais que la dernière considération par rapport à la mesure, c'est est-ce qu'il y a d'autres moyens moins contraignants pour arriver aux mêmes fins? Parce que ça il faut regarder un peu l'ensemble des possibilités. Pour le casque, longtemps, on a pensé qu'on ne pourrait pas, sans loi, atteindre des taux de port du casque de vélo de plus de 35-40% dans la population en général. Puis effectivement, les courbes ont montré tout à fait ça, c'est qu'il y a eu une augmentation du taux de port avec les campagnes de prévention, puis là, il y a eu un plateau pendant un certain temps, autour de 35-40%. C'est juste, mais curieusement, aujourd'hui, selon les dernières enquêtes qui ont été faites par la Société de l'assurance auto du Québec, les taux de port en 2015, en tout cas il y a un an ou deux, là, quand ils ont fait leur dernière enquête, le taux de port était aux alentours de 50%. Ça fait qu'on a comme un peu dépassé ce plateau-là, puis il y a même dans certains milieux des taux de port de l'ordre de 70%, ce qui tend à démontrer que on peut peut-être avoir des gains substantiels encore par des mesures de promotion. Est-ce qu'il y aurait des alternatives à une loi d'obligation du port du casque comme pour la prévention des accidents, des traumatismes, surtout crâniens, reliés au vélo? Oui, en fait, c'est-à-dire que les mesures là, qui sont le plus souvent évoquées pour prévenir les blessures, c'est les mesures qui tendent à réduire les accidents de vélo à tout court. Parce qu'on sait qu'il y a une proportion importante d'accidents à vélo qui vont se résulter en une blessure à la tête. Donc, toutes les mesures qui cherchent à sécuriser l'environnement, à diminuer, à apaiser la circulation, à contrôler le transport lourd dans les quartiers, etc., c'est des mesures qui sont reconnues efficaces pour améliorer la sécurité des cyclistes. Donc, c'est d'ailleurs un des arguments de ceux qui évoquent le coût d'opportunité. Ils disaient, bon, les gens disaient, si on oblige le casque ou si on met des efforts dans la promotion d'une loi ou dans l'adoption d'une loi,
ben ça va être autant d'énergie perdue pour améliorer les infrastructures ou améliorer les quartiers, etc. Donc, c'est un des arguments des gens qui s'opposent à une loi. Dans les conditions d'adoption d'une politique, on a parlé du problème, on a parlé des solutions possibles, mais il y a aussi celles, comme vous le disiez, qui sont liées à l'environnement sociopolitique. Pouvez-vous nous en parler davantage? Ça, c'est le troisième niveau de considération qu'il faut avoir. Puis là-dedans, c'est surtout de regarder quelle est l'acceptabilité sociale de la mesure, quel est le risque politique, parce que finalement, ces mesures-là, c'est pris par des hommes et des femmes qui ont un rôle politique. Et donc, puis ça peut comporter des risques. Puis ça, il faut que ça rentre dans la balance. Et puis aussi, est-ce qu'on a une bonne fenêtre d'opportunité ou pas? Pour ce qui est de l'acceptabilité sociale sur le casque à vélo, je pense qu'on peut dire que selon les sondages qui ont été publiés et qui ont été faits par la Société d'assurance auto, il y a un bon appui de la population en général en faveur d'une loi qui rendrait le port du casque obligatoire. Ça, c'est assez clair, les sondages l'ont démontré. Sauf que on peut juger de l'appui populaire de cette façon-là, par sondage, mais après ça, on peut regarder un peu ce qui se passe au niveau des groupes de pression. Alors là, les groupes de pression, que sont par exemple les gens de la communauté scientifique ou de la communauté médicale, souvent vont être en faveur, eux autres. Ils vont appuyer beaucoup la question d'une loi qui obligerait le port du casque, parce qu'eux autres, ils voient les blessés qui arrivent à l'hôpital, les neurochirurgiens, ils les soignent, les urgentologues, les pédiatres, etc. Eux, ils sont fortement en faveur. Donc ça, c'est d'un côté de la balance, mais après ça, il y a les groupes de vélos, les utilisateurs de vélos, tous ces clubs-là. Ben là, on a un autre rond de cloche. Là, l'appui est probablement moins évident, et même, je dirais, dans certains cas, pour certains organismes, plutôt hostile à une loi qui rendrait le port obligatoire. Donc, il y a un consensus, oui, quand on le regarde sous forme de sondage, mais quand on regarde les groupes de pression en place, le consensus n'est pas si évident que ça. Alors, donc ça, il faut tenir compte de ça. Après ça, il y a le risque politique. Alors, ça, le risque politique, dans un sujet qui est controversé comme ça, peut nous amener à une polarisation un peu des opinions. Il y a ceux qui vont être fortement pour, ceux qui sont fortement contre. Et puis en plus, dans le cas particulier du casque de vélo, il y a comme une espèce de propension du monde, des professionnels des médias, à critiquer le gouvernement lorsqu'il essaie de trop interférer dans la vie privée des gens. Alors ça, et puis quand on parlait de l'appui, on parlait des groupes pour, des groupes contre, mais je dirais que dans le monde des médias, souvent, il y a comme une espèce de jugement très critique par rapport à ce genre de loi qui tente d'imposer des comportements aux individus. Alors ça fait partie de la balance, et puis ça peut comporter un certain risque politique pour quand vient le temps d'adopter une telle politique publique. Puis enfin, il y a les fenêtres d'opportunité. Est-ce qu'il y en a? Je veux dire, dans le cas du casque, il y en a. Il y a eu la table québécoise de sécurité routière, qui était un forum de discussion où on pouvait discuter de ça. Il y a eu le groupe de travail sur la sécurité à vélo où on a pu parler de ce genre de problème-là. Il y a tous les événements médiatiques aussi. On parle des accidents de personnages qui sont connus, qui ont été sauvés, entre autres, par le casque. Ça, c'est des opportunités pour en parler, puis éventuellement faire valoir l'utilisation du casque. Et puis il y a aussi les commissions et les consultations publiques qui sont mises de l'avant par le gouvernement, auxquelles on peut participer quand on veut faire valoir une politique ou aller dans, en tout cas, des arguments pour aller dans un sens ou dans un autre. Parmi les groupes de pression, il y a aussi l'industrie, l'industrie qui fabrique du matériel de vélo et l'industrie qui fabrique des vélos. Et il y a également des organisations qui rendent disponibles des vélos. On pense à Bixi à Montréal. Ouais. Et quel est leur rôle dans ce débat-là? Bien, dans ce débat-là, ils ont... c'est sûr qu'ils vont avoir un rôle puisqu'ils vont faire des représentations au niveau du gouvernement. Ils vont avoir des activités de lobby, c'est sûr. Mais dans le cas du casque de vélo,
il y a plusieurs dimensions. D'un côté, s'il y a une loi qui rend le port du casque obligatoire, bien, c'est sûr qu'il va y avoir une vente de casques de vélo. D'un côté, ça peut représenter une belle opportunité d'affaires pour les gens qui sont dans ce travail, qui ont ce genre de commerce-là. D'un côté, s'il y a une diminution de la pratique du vélo, bien là, ça peut se traduire par moins de bicyclettes et tout ça. Alors là, mais je peux pas, on n'a pas vraiment regardé ça dans le détail, mais c'est sûr que leur rôle, il est beaucoup, d'après moi, ils jouent beaucoup en coulisses. Et puis, on a l'exemple dans d'autres dossiers où les commerçants ou les gens qui ont des intérêts économiques pour ou contre une mesure vont la faire valoir via des activités de représentation puis de lobby auprès des décideurs politiques. Quel est le rôle des valeurs dans l'émergence d'une politique publique? Bon, dans ça, moi, je dirais, si on prend l'exemple du casque de vélo, ça, il y a comme trois... En y réfléchissant comme fou, il y a comme trois types de valeurs. Il y a d'abord les valeurs qui ont trait à l'objectif même qu'on poursuit. Hein? Puis dans le cas d'une loi qui rendrait le port du casque obligatoire, ben, l'objectif qu'on poursuit, c'est la sécurité. Bon, au détriment d'un certain confort. Alors, c'est sûr que dépendant de la valeur qu'on accorde à ces deux dimensions-là, le confort, sensation de liberté, etc., versus la sécurité, ben la balance va aller plus dans un sens ou dans l'autre. Je pensais à ça, puis je me disais, par rapport au casque à moto, aux États-Unis, il y a des endroits, il y a des États où c'est pas obligatoire. Des États où c'est obligatoire. Mais il y a des motocyclistes, quand ils arrivent à la frontière de l'État où c'est plus obligatoire, ben ils enlèvent tout simplement leur casque puis ils le mettent dans leur sacoche parce qu'ils ont besoin de cette sensation-là de liberté. Donc ça, c'est sûr que les valeurs autour de la prise de risque sont importantes versus le sacrifice que ça peut amener au niveau de la sécurité des gens. Après ça, il y a le deuxième type de valeur qui est plus le rôle de l'État. Est-ce que pour nous, c'est acceptable que l'État vienne interférer dans des comportements individuels? Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup sujet aux valeurs qui circulent dans la société. C'est ça, liberté individuelle et bienveillance d'autre part. Bienveillance d'autre part. Et puis l'équilibre. On sait, par exemple, que c'est un peu le dernier type de valeur, c'est quoi l'équilibre qu'on veut avoir dans notre société entre les enjeux ou la prise en compte des enjeux individuels versus la prise en compte des enjeux collectifs. Ça veut dire quand on regarde le casque, puis qu'on regarde les enjeux individuels, on parle des contraintes, t'es obligé de l'acheter, la protection de l'individu, etc., puis on dit, là, on pourra prendre une décision en fonction des contraintes individuelles que ça impose. Mais de l'autre côté, je pense qu'il ne faut pas ignorer le fait qu'il n'y a pas que les contraintes individuelles, il y a des conséquences sur la société. Parce que les gens qui vont avoir une blessure à la tête, ceux qui vont décéder, il y a toutes les conséquences pour l'entourage, et puis le deuil, et puis la perte de productivité, etc. On ne peut pas dire que c'est à coup nul. Et puis, en même temps, ceux qui vont être blessés, il y en a qui vont être handicapés, et puis qui vont être pris en charge par la société. Bien, ça aussi, il fait partie des considérations qu'il faut avoir quand on jauge l'importance des valeurs, des valeurs individuelles versus les valeurs collectives. Ici, au Québec, on vit dans une social-démocratie. C'est sûr qu'on va avoir une propension plus importante à tenir compte des valeurs collectives, en tout cas certainement plus importante que dans d'autres pays qui sont plus de type capitaliste et puis avec très peu de sensibilisation pour les valeurs collectives. Donc, ça, encore là, ça dépend beaucoup des valeurs qui circulent. Donc, le choix de l'individu a aussi des répercussions sur la société. C'est-à-dire qu'il choisit de ne pas porter de casque, mais s'il y a un accident, c'est la société qui assume les coûts. Alors, il y a cette dimension-là qui est importante aussi. Moi, je pense que oui, surtout dans une société comme la nôtre, où les coûts de la santé sont partagés entre tout le monde. Donc c'est sûr que ça vient s'ajouter aux arguments.
à considérer. Comment le fait qu'un débat soit très politisé et que les rapports de force là, soient forts entre les pour, les contre, comment ça influence la stratégie d'un expert en santé publique pour mettre en œuvre ou pousser l'adoption d'une politique publique? Bien, dans ça, quand nous, on travaille dans ce dossier-là depuis un certain nombre d'années, puis on sait qu'il y a toutes sortes de forces en présence. Alors, je pense que la première chose, c'est de bien comprendre dans quel environnement on est, où sont les différents parties prenantes, puis quels sont leurs arguments, quelles sont leurs positions par rapport à une mesure de santé publique en particulier. Alors, donc, il faut être bien au courant de ça. Je pense que, parce qu'autrement, on risque de s'enliser très rapidement dans un piège puis aller dans un cul-de-sac. Donc, il faut déjà, parce que dans la façon de préparer nos argumentaires, il va falloir qu'on adresse les arguments qui sont avancés par les différentes parties prenantes, soit pour les approuver ou soit pour déboulonner certains mythes, certains préjugés, etc. Donc ça, la première chose, c'est de bien comprendre les arguments qui sont en présence. L'autre affaire, c'est qu'il faut regarder un peu le niveau de consensus qu'on a même dans notre propre système. Est-ce qu'on a un consensus en santé publique même? Par exemple, dans le cas du casque, bien, il y a les gens qui travaillent, par exemple, pour améliorer les habitudes et l'activité physique chez les gens qui n'ont pas nécessairement le même point de vue que les gens qui veulent prévenir les blessures. Fait que dans ce cas-là, on ne peut pas dire qu'en santé publique, on a un consensus très fort en faveur d'une loi qui rendrait le port du casque obligatoire. Donc, il faut tenir compte du consensus au sein même de notre système. Après ça, je pense qu'une des choses les plus importantes, quand c'est fortement politisé ou fortement débattu, c'est qu'on ne peut pas se contenter juste d'une opinion. Il faut aller au fond des choses, parce que autrement, on prête flanc à la critique, il faut essayer de regarder l'ensemble des arguments qui sont en présence, puis fouiller ce qui est prouvé, ce qui est démontré, puis distinguer ce qui est démontré de ce qui ne l'est pas, puis pouvoir vraiment rendre compte de la réalité scientifique par rapport à un enjeu comme celui-là. Et puis, je dirais qu'il faut, dans un débat comme ça, jouer notre rôle, garder notre crédibilité, donc en étant le plus rigoureux possible, être transparent, de ne pas hésiter à nommer les zones d'incertitude, parce que de ne pas faire semblant qu'on sait alors que la science ne nous permet pas de conclure. Il faut être transparent, il faut être rigoureux, il faut être le plus objectif possible. Puis je dirais qu'il faut éviter, d'après moi, de s'associer à des groupes de militants. Parce que le problème, c'est que si on fait ça, bien là, à ce moment-là, on perd cette espèce de distance critique qu'il faut avoir par rapport à une position pour ou contre. Là. Donc, il faut rester un peu au-dessus de la mêlée, puis pour pouvoir garder notre crédibilité, il faut rester loin des groupes de militants qui, des fois, utilisent des arguments qui ne sont pas toujours nécessairement de nature scientifique. Ce qui me frappe dans le débat sur le port du casque de vélo, c'est que ce débat-là existe au Québec. Bon, comme vous l'avez dit, il y a des tenants pour et des tenants contre. Et quand on regarde en Europe, où la pratique du vélo est encore plus avancée dans des pays comme la Belgique, la Hollande, le Danemark, il ne semble pas y avoir de débat sur le port du casque. Même quand on se promène dans ces pays, on observe qu'il y a moins de port de casque de vélo que ce qu'on retrouve ici. Comment vous expliquez cette différence culturelle? Bien, il y a probablement une question de valeur, là, encore là, là. Et puis, je pense que les autorités puis la population ont misé beaucoup plus sur la mobilité, sur l'utilisation du vélo comme solution alternative au transport motorisé, etc.
Et puis, ils ont tout fait pour encourager l'utilisation du vélo avec le moins de contraintes possible, en essayant aussi d'améliorer les infrastructures. Puis, tantôt, comme on en a discuté tantôt, les infrastructures plus sécuritaires, les mesures qui visent les automobilistes, qui visent l'apaisement de la circulation dans les quartiers, c'est toutes des mesures qui sont reconnues pour améliorer la sécurité des cyclistes. Donc, ils ont focusé, ils ont mis leurs énergies essentiellement là-dessus, et puis ils n'ont pas cru bon grâce à aux chiffres ou puis aux résultats qu'ils ont obtenus en termes d'amélioration de la sécurité. Ils n'ont pas cru bon d'ajouter cette dimension-là. Mais soit dit en passant, on a regardé un peu les données en Hollande, en fait, qui est un peu le prototype de pays où il y a beaucoup de vélos. C'est vrai que le taux de décès par habitant, je pense que c'est par habitant, il est moins élevé, décès par un accident de vélo, oui. Il est moins élevé qu'en Amérique ou qu'au Canada, etc. Donc, c'est vrai que l'effet des infrastructures et tout ça a certainement joué de façon positive là, pour améliorer la sécurité des cyclistes dans ces pays-là. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cyclistes. Puis c'est faux de penser qu'il n'y a personne qui tombe sur la tête, puis il n'y a personne qui se blesse. Ça fait que là, on a probablement moins de risques par rapport à la population totale de cyclistes qui se blessent à la tête, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de cyclistes. Mais au total, il y a plus de blessures à la tête en Hollande qu'il y en a au Québec, là, proportionnellement à la population, parce qu'il y a tellement de cyclistes, etc. Donc, ça peut quand même nous dire que, bon, c'est très bien, ils ont mis de leur énergie sur des infrastructures puis tout ça, parfait, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de la place pour encourager les gens à porter un casque de vélo, même dans ces sociétés-là. Dans un contexte d'incertitude, comme c'est le cas pour le port du casque de vélo, il y a encore des zones grises. Est-ce que, quel est le rôle du principe de précaution? Comment doit-on l'utiliser? Bon. Le principe de précaution dans un contexte d'incertitude, il faut toujours en tenir compte. Puis moi, je pense qu'il faut appliquer le principe de précaution. Mais quand on regarde le dossier du casque de vélo, il faut qu'on regarde un peu les évidences scientifiques, la force des évidences scientifiques. Si on regarde l'effet d'une loi sur le port du casque de vélo, sur le port du casque de vélo, on est assez raisonnablement sûr que ça va avoir entraîner une augmentation du port du casque, en tout cas, ne serait-ce que temporairement. Par contre, l'effet de la loi sur le taux de blessure à la tête, sur les blessures à la tête, ça, c'est moins clair. Il y a de l'incertitude par rapport à ça. Ça fait que là, on pourrait se dire, ouais, comme c'est de l'incertitude, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un bienfait, il n'y a pas une diminution de blessure à la tête. Donc, principe de précaution, ça devrait nous amener adopter quand même la loi, on se dit, soyons prudents. Par contre, quand on regarde aussi la littérature scientifique sur l'effet potentiel d'une loi sur la pratique du vélo, bien là, ça aussi, il y a de l'incertitude par rapport à ça. Et puis, il est fort possible qu'une loi qui rendrait le port du casque obligatoire puisse entraîner aussi une diminution, peut-être modeste, mais de la pratique du vélo. Puis ça, on sait, puis ça, on est plutôt certain que même une diminution assez minime de la pratique du vélo pourrait avoir des conséquences assez importantes sur les maladies chroniques, les maladies cardiovasculaires plus tard, etc. Donc, si on applique encore une fois le principe de précaution, bien là, on va se dire, bien, soyons prudents, puisqu'il y a quand même un risque que ça entraîne une diminution de l'activité physique ou de la pratique du vélo, bien, le principe de précaution devrait nous amener vers la direction opposée de la direction opposée que celle qu'on a prise au début quand on regardait l'effet que ça peut avoir sur les blessures à la tête. Ça fait que le principe des précautions, il faut le regarder, mais il faut regarder les deux côtés de la médaille. Et dans un cas comme celui-là, où on a deux effets d'une politique publique qui s'opposent, alors comment l'expert en santé publique peut-il faire une recommandation? Bon. En fait, c'est pas facile, mais je pense qu'il faut essentiellement se concentrer sur l'objectif. C'est quoi qu'on veut faire? Alors, ce qu'on veut faire, c'est améliorer la sécurité des cyclistes. Bon,
quels sont les moyens qui sont disponibles. Et puis, compte tenu du fait que le principe de précaution ne nous amène ni d'un bord ni de l'autre, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire, bon, essayons au moins d'augmenter le taux de port, parce que ça, on est certain. On est certain que le casque est efficace. Donc, plus il va y avoir de gens dans la société qui vont le porter volontairement, mieux ça va être. Donc, centrons-nous sur ça. Centrons-nous aussi sur les autres mesures qui sont démontrées efficaces pour améliorer la sécurité des cyclistes, parce que ultimement, c'est ça qu'on veut. On veut améliorer la sécurité des cyclistes. Et puis, menons des campagnes pour sensibiliser les autres utilisateurs de la route pour être plus précautionneux face aux clientèles vulnérables que sont les cyclistes. Et puis je pense que là, on va avancer. Je pense que c'est la seule façon. Puis, essayons de trouver des solutions qui vont nous permettre d'atteindre, en somme, c'est ça, d'atteindre l'objectif qui était visé par d'autres moyens que celui qui était initialement préconisé par la politique publique, là. On a eu le même exemple, nous autres, parce qu'à un moment donné, il y avait un problème de brûlure. Les brûlures, je prends un autre exemple que le casque de l'eau, les brûlures à l'eau chaude. Alors, on avait deux considérations qui s'opposaient. C'est que d'un côté, on avait les gens qui voulaient prévenir les brûlures, qui disaient qu'il faut baisser la température des chauffe-eau, hein, pour pas que les gens se brûlent ou les bébés ou les personnes âgées se brûlent dans leur bain parce qu'ils tombent dans le bain et que le robinet est ouvert. Donc ça, on disait il faut baisser la température des chauffe-eau. Mais de l'autre côté, là, il y avait les gens qui travaillaient dans les infectieuses qui me disaient oui, mais si vous baissez la température des chauffe-eau, là, vous allez entraîner un problème qui est la légionelle. Parce qu'il y a de la légionelle dans les chauffe-eau. Alors là, il y avait tout le balancier là, qui se faisait entre prévenir un problème de santé publique qui est important, ça, notamment pour les personnes âgées, les personnes qui sont atteintes d'immunodéficience, etc., versus la nécessité ou l'intérêt de diminuer les brûlures à l'eau chaude. Alors, la solution, finalement, elle est à technologique dans ça. C'est de trouver un moyen de réduire la température à la sortie des robinets tout en gardant une température suffisamment élevée dans les chauffe-eau pour détruire la bactérie qui est la légionelle. Alors, il y a toujours moyen de recentrer le débat pour garder bien à l'esprit l'objectif ultime. Puis l'objectif ultime, c'est pas de promouvoir une politique plus qu'une autre. L'objectif ultime, c'est d'atteindre tel effet sur la santé. Et d'améliorer la santé de la population. Et d'améliorer la santé de la population, c'est ça. Alors, merci beaucoup, Dr. Maurice. Non, excellent. Vous êtes bon. En tout cas, vous êtes pas mal bon. Ah oui, oui, oui. C'est solide. Vous êtes pas mal bon. Ben, ça fait quand même longtemps que je travaille là-dedans. Il essaie de vous convaincre. Là, je ne sais pas si vous êtes pour ou contre la loi. Ah, non, ben, avant, j'étais pour. Je vais vous avouer que quand j'étais ministre, j'aurais...